Et salut à toutes et à tous, on se retrouve sur Fallout 4 pour une nouvelle quête. Alors cette fois, je vais laisser tomber un petit peu les quêtes, enfin la quête principale, parce que je voudrais augmenter mon XP et explorer un petit peu la carte alentour, parce qu'il y a quand même beaucoup de sites qui restent à explorer. Et puis là, au niveau de la quête principale, en fait, on avance très 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 vite, hein. Maintenant qu'on a la puce du chasseur, on va arriver très très vite à l'institut, donc je voudrais garder un petit peu le mystère, pardon, excusez-moi. Alors pour le coup, on va s'intéresser à une quête. Alors celle-là, on va la désactiver. Hop, on va aller dans les quêtes diverses. Alors les documents techniques, il faudra que je retourne voir la confrérie de l'acier. Là, je voudrais inspecter le musée de la sorcellerie. Consultez, procurez-vous la dernière édition, allez voir Abbott, apportez du jet à Mama Murphy. On le fera peut-être. Non. Mince. Ça aussi, c'est un truc à faire. Voilà, moi ce que je voudrais, c'est inspecter le musée de la sorcellerie. Voilà. Du coup, notre quête nous mène droit par ici. Voilà. D'accord. On m'a tiré dessus. Oh punaise, on se prend des rades. Là déjà, il y a les pièges. Hop, on désamorce. On désamorce. Oh fâche! Merde. Bah ça commence bien. Moi normalement, on a une sauvegarde juste à côté. J'ai pris mes précautions. Il y a une tourelle. Ok, pourquoi ça a explosé? J'avais pourtant désamorcé, non? Donc c'est ici. Je sais pas ce que c'est qui explose là, mais enfin c'est pas très grave. Tac, ça déjà ça a pété. Ah d'accord. Wow! On va s'avancer un peu là parce que... Voilà. Bon là maintenant on va se prendre un petit peu de soin, ce que j'ai pris cher. Il y a les fûts qui dégagent un maximum de radiation. On ne peut pas rester trop à côté. Donc on va prendre du Radaway si je les trouve. Les Radaway sont par ici. Je vais prendre deux Steam Packs. Ouais c'est bon. Ça a permis de bien remonter le niveau. Le Toddy de Hugo. Ouais, ça faisait un moment que je le voyais. Alors, on a tout ce qu'il faut ici. On va déjà commencer à ramasser. C'est tout ce qu'elle me donne, la tourelle. Ah bah mince, c'est bien. C'est pas la peine de m'emmerder autant. Ouais, c'est vert luminescence et... Ah, des verrouilles en expert. Une maquette de Mr. Andy en kit. Ouais. Une combinaison étanche. Cartouche, 10 mm, on ramasse. Un oreiller en paille. Ouais, non, ça, franchement, je te le laisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des bouteilles de bière. Allez. Non, là, je me suis fait avoir. Maintenant, je quitte la station. J'ai dû cliquer un petit peu trop vite. Allez, sors de là. Ouais, oui, il faut rentrer. Ouf. Hein. Sur le coup, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais bu. Bien, alors. Eh ben, on va sortir de là parce que c'est pas le but de notre quête, quand même. Mais au moins, on aura... On va passer rapidement ici. Hop là. Punaise, on se prend quand même jusqu'à presque 40 radiations. C'est plutôt énorme. Je vais peut-être reprendre, d'ailleurs, un soin, il faut pas pousser. Je vais reprendre un Radaway et un Steam Pack. Voilà. Et du coup, c'est parti. En pleine nuit, évidemment. Ouais, je choisis toujours mes moments, moi, hein, franchement.
La nuit c'est mieux, c'est glauque. Ah, oh, on est déjà arrivé, non? Ah, c'est vraiment juste à côté. C'est vrai que sur la carte, ça paraissait vraiment. Alors, il n'y a pas de bruit suspect. Oh punaise, c'était le chien. Le musée de la sorcellerie. Cool! E enchaîné, d'accord. Alors, on va faire un petit tour d'inspection. Ici, c'est quoi? Sérieux, toi? Ouais, c'est la rat biche. Bon, franchement, on s'en tape. J'aurais peut-être dû dormir parce qu'on y verrait quand même un petit peu mieux. Ah, le centre de convalescence de Sandy Cove. Salem. Oh, on découvre un maximum de sites là. Commence à m'énerver celle-là. Franchement, elle commence à m'énerver. Où est-ce que t'es? Non, mais laisse-la courir. Sandy Cove. Donc, on est déjà à 95 mètres du musée de la sorcellerie. Bon, on va revenir sur le musée de la sorcellerie parce que c'était le but de la quête quand même. Mais bon, on aura déverrouillé 2-3 sites. Il y a pas mal de trucs par ici encore. Où est-ce que c'est? Je l'ai passé. Oh mince, je suis vraiment parti loin là. Je suis vraiment parti au. Il y a une caisse. Non, c'est vide. Bon, c'est pas grave. On va essayer de sortir de là. Ah, où est-ce qu'on est là? On est à 28 mètres. Ça, on dirait que c'est l'arrière du. Il semblerait que ce soit pas ici. Un bol en plastique, une cigarette, d'accord. Bon, c'est pas par là qu'il faut passer. Je vais trouver le passage. A priori, c'est plus par là. Le soldat Hart, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il a de beau, le soldat Hart? Voyons voir. Il a un béret militaire, on s'en fout. Il a 16 capsules. L'holoband du soldat Hart. Oui, si tu veux. Un béret militaire, je m'en fous un peu. Un plastron en cuir, ouais. Et une tenue de garde des artilleurs. Ça, je m'en fous. On va lui laisser. Commencer la part du diable. Hein, écoutez l'holoband. Alors. Voyons voir, l'holoband, ça c'est des trucs qu'en fait, c'est vrai que j'en ai plein, mais je les ai jamais écoutés. Tenue d'hiver, voilà, ça doit être là, clé. Holoband. Allez, on y va. Jeffries, Lee a réussi à faire fonctionner l'enregistreur. Alors c'est ça que vous vous voyez faire quand vous vous êtes enrôlé chez les artilleurs? Transporter des bagages depuis Linwood pour un robot majordome? C'est quoi son nom déjà?
Willington? Willingham? Willingham. Pas maintenant, soldat. Où est passé Connors? Il n'est pas à son poste. Désolé. Le lieutenant a dit qu'il avait trouvé des traces et qu'il voulait voir où elles conduisaient. Le première classe, Martin. Pardon. Des traces? Quelles traces? Et qu'est-ce que c'est que ça, putain? Oh putain! Connors! Où est le reste de son corps? Voilà, c'est des bruits que j'aime pas du tout, ça. Sergent Lee, prenez la mallette. Ne la quittez surtout pas les yeux. Tout le monde dans le musée, vite! Major! Major, qu'est-ce qui nous a retrouvés? Bon, d'accord. Bon, on va. Maintenant, il faut rentrer dans le musée. Sympathique. Le musée. 10 mètres. Ah non, la porte, elle est par là, tiens. Ah, elle est là, la porte. D'accord, on n'entre pas par là. On entre par les sous-sols. On va peut-être faire une sauvegarde juste derrière, parce que... Alors, nous voilà dans les... Oh vache, c'est quoi ça? Déverrouiller novice. Avec ce que je viens d'entendre, du coup, là, je suis beaucoup moins rassuré. Il y a un truc qui va pas me plaire là. Yeah! On va se prendre quelque chose sur la gueule. Alors. De toute façon, le marqueur, il m'emmène où? Il m'emmène par là, le marqueur. Non, il m'emmène pas par là. Il m'emmène à l'étage, je sens. Il est où, le marqueur? Il est là. Le marqueur, il est là-haut. D'accord. Bon, il faut que je trouve l'escalier. Il y avait un escalier. Ou il n'y avait pas d'escalier, je sais pas. Là, peut-être. Il y a un ours en plus, c'est tout mignon ça. Je l'ai pris, je sais absolument pas pourquoi, c'est pas grave. On s'en fout. Un bloc-notes brûlé. Un os du bassin. Il y a les squelettes en morceaux, franchement c'est super sympathique le crâne, il y a tout. Il y a bien moyen de monter à l'étage ici. Des mannequins. Ils m'ont foutu les jetons, ces cons-là. Il y a un billard. Ah ben, faut ouvrir la porte. Ah ben là, on passe aussi super bien. Non, bon, il semblerait que... à ce niveau-là... on se reconstitue un billard complet, en fait. Hein. Il y a des... ah, tiens. Scotch, ça, on ramasse. Bon, donc du coup, je vais revenir dans la première salle, si je la retrouve, parce que je sais plus du tout où c'était. Non, c'était pas là. C'était là. Non, c'était pas là. Si, c'était là. Ouais, il y avait quelque chose qui... voilà, c'était ça. C'était en novice. Allez, on va essayer de la déverrouiller vite fait. Ah, encore un peu plus. Cool! Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Un briquet à essence. Voilà. Bon, au moins, on aura un petit peu vidé les lieux. Ça craque sur le plancher à l'étage.
Des livres brûlés, franchement, je vois absolument pas à quoi ça. Ah. Anuka Cola, super. Non, mais ça, c'est bien. Ça fait une boîte de plus. Bah, je peux m'asseoir sur les chaises, c'est sympathique. Ah, bah, il y en a un là d'escalier. Ah, j'ai fait demi-tour, quel imbécile! Voilà, donc là je m'étais aventuré là. Voilà, c'était là où j'étais tout à l'heure. Donc dans cette pièce-là, a priori, j'avais fait le tour, il n'y a que dalle. Évidemment, il fait noir, on y voit. Voilà, on va y voir un petit peu plus clair. C'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup, mais on y verra un peu mieux. Donc j'arrive de là, et là il y a un débarras. Et ça, normalement, je l'ai vidé. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, nickel. Donc, maintenant, on revient là. Il y a la salle où j'étais. Ici, je ne dois pas pouvoir passer, mais là, il y a un passage. Mon Dieu! La fusion, c'est une part Gradix. C'est quoi le reste que tu as? Un bandana vert, on s'en fout, un périmilitaire, un harnais et un pistolet laser. Laser. Car rien de. Et toi? Toi, qu'est-ce que t'as? T'as 10 capsules en plus. D'accord, allez, cool, donne-moi ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Une table et l'escalier qui va nous amener à l'étage. Une caisse en bois, on va la déverrouiller. Allez, on va voir ce qu'on a de beau dans cette caisse. Merde. Ah, j'y étais presque. J'étais où? Par là, je crois. Non, plus par là, j'étais. Non, encore un petit peu. Ah, c'est par là. Mon Dieu. Alors, c'est par là. Voilà, c'était là. Ouais. J'allais le dire. Ah, c'est toujours bon à prendre, ça, c'est bien. Et du coup, va falloir monter. Bon, alors, on va faire une petite sauvegarde. Hein. Hop. Boston Bugle. Un nettoyeur Braxo. Je les ramasse maintenant parce que, en fait, ça doit bien servir à quelque chose. Tiens, mais c'est sympathique toi ce que t'as. T'as deux missiles. T'as un lance-missile. Le reste n'est pas intéressant, donc on s'en fout. Par contre, j'ai vu qu'il y avait quelque chose ici. Voilà. Donc ça, c'est le haut de l'escalier. Et ben, il va falloir passer par là. Bien. Ben, les enfants. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas ça que je voulais faire, c'était... Une sauvegarde rapide, en fait de toute façon il y en a eu deux là coup sur coup. Super. Bien. Apparemment, c'est pas par là qu'il faut passer. Parfait. Ah, un grognacle barbare, c'est très bien ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Les coups critiques au corps à corps ou à main nue infligent 5% de dégâts supplémentaires. C'est un bonus permanent. Je le prends. Oh putain. Ha ha!
Hey! Oh putain, c'est un. Où est-ce qu'il est enfoiré? Ah, il m'a collé une baffe! Oh l'enfoiré! Je sens que ça va être long. C'est pas à gagner. Oh putain, il m'a attrapé le con. Ah, je peux rien faire. Ah, il m'a décapité la tête. Moi, oh, je vais changer de tactique. Je vais pas garder cette arme-là. Oh l'enfoiré. Eh oui. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Excellent. Bien. Non, ça s'ouvre pas. Merde. Merde, il est où ce con? Est-ce qu'il peut rentrer là? On va se faire la sauvegarde rapide. Voilà. Elle est là. Ah, il faut franchement une autre place que ça. Ah tiens, des cellules à fusion, bol de nouilles. Qu'est-ce qu'il a de beau lui? Il a du scotch, ça je prends. Le laser, ouais. Bon, ça risque de durer un moment, ça. Merde. Mauvaise idée. Bon, on va changer l'arme. Ça le fait pas. Le lance-missile, quand même des dégâts qui sont autrement plus intéressants. Parce que j'arrive à lui coller dans la gueule. Ça y est, là il a pris. Là il a pris cher. Merde, je suis coincé dans cette foutue pièce. Il est en colère là. Il est un peu en colère là. Il est un peu vénère le gonze. J'espère que j'ai assez de missiles. Ah.
Ouais, là, il a pris. Ah, là, sa vie, elle a vraiment baissé. Il m'en reste 21. Allez, vas-y. Oh, c'était moins une. C'est pas le moment de mourir. Là, il y est presque. C'est pas le moment qui me tue là, parce que... Il y est presque. Ah bah ça y est, c'est fait. J'avais pas vu. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il a de beau lui ? Il a des capsules, une main d'écorcheur et de la viande d'écorcheur. Forcément, rien de... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Hop là, pardon. Ici, on a épingle à cheveux, scotch, capsule, briquet à essence. Ça, c'était dans l'autre sens, mais c'est pas grave, je les ai quand même. Et ici, on a... Ah. Alors, on a... Ouais, si on peut le prendre, 5 missiles, mine à fragmentation, grenade, cartouche et capsule. Super, c'est bien. Là, on repart dans le Commonwealth. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, là, il avait rien de plus. Là, je vois que dalle. Non, là, ça a été fait, je viens de par ici, donc j'ai dû passer par ici. Voilà, là, il y a les différentes pièces. Que dalle de plus par là. Là, je vois rien. Donc ça, c'est fait. Là, je vois rien non plus. Un neuf décorcheur. Ah, voyons voir. Toi, qu'est-ce que t'as ? Des capsules, le reste on s'en fout. Ah, l'holobande du sergent Lee. Eh ben on va la prendre. Le sergent Lee, alors le sergent Lee, qu'est-ce qu'elle a de beau? Écoutez, la l'holobande du sergent Lee, cool. Un laser, 26, ouais, on s'en fout un peu. Donc maintenant on va écouter un petit peu l'holobande du sergent Lee. Décorcheur fêlé. Bon, alors voyons voir ce que t'as de beau à nous raconter, sergent. Dans les données d'inventaire. Voyons voir. Armes, soins divers. L'holobande du sergent Lee. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Plein de décorcheurs. Une douzaine, peut-être plus. Tous réduits en miettes. Sauf celui-là. Pas étonnant qu'il n'ait pas voulu nous dire ce qu'il y avait dans cette mallette. Si j'avais su, j'aurais personnellement dit au chef des artilleurs et à ce tas de ferraille de Willingham de prendre ses capsules de Diamond City et prenez de se mettre en chepense. Ah ! Au moins, on sait pourquoi ces décorcheurs nous traquent depuis Linwoods maintenant. Terminé, prenez l'œuf. Livrez l'œuf. Ou remettez l'œuf dans son lit. Ah ! Que si on lui avait rapporté ses œufs. Alors. Salut, maman. C'est ça que tu cherches. Ouvrir. Là, on retourne dans le Commonwealth. Alors, par contre, je vais regarder ce qu'il me dit dans les objectifs. Voyons voir. Bon, on peut tout simplement ouvrir la porte.
Il fait jour, c'est parfait, on va changer l'arme, parce que franchement, on va quand même pas se balader avec un lance-missile. Alors, je sais plus ce que j'avais comme arme, donc on va prendre... renfort, fusil de précision, je crois que c'est ça que j'avais. Ouais, c'était ça. Donc ça, on peut le remballer. Voilà. Et... du coup, qu'est-ce qu'il me dit dans les quêtes? La part du diable. Livrez l'œuf ou remettez l'œuf dans son nid. Livrez l'œuf ou remettez l'œuf dans son nid. Donc j'ai deux possibilités. Alors au niveau de la carte, ça me dit quoi? Livrez l'œuf. Et je livre où? Marché de Diamond City. Livrez l'œuf. Donc là, c'est livrez l'œuf. Et j'ai un deuxième marqueur là-haut, ici, qui me dit « Remettez l'œuf dans son nid ». D'accord, qu'est-ce que j'ai ici? L'asile d'aliénés, qui n'est pas découvert. Alors je pense que je vais... Brokers Banks, c'est pas du bon côté. Eh ben, on va se téléporter à Dunridge Borer, histoire de gagner quelques mètres. Bien, alors, il faut partir par là. Alors, c'est parti. Bon, là, du bol, il fait jour. Ça, c'est Dunwich Borer. D'ailleurs, ça me fait penser... Dunwich Borer... Il va falloir que je retourne ici. Parce que j'ai pas fini la quête tout à fait en bas. D'accord. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Il y a encore du monde. Autant faut faire la quête complète. Oh, misère. Un de radiation, super. On va passer là. Allez, escale-moi cette colline. Merde, je suis du mauvais côté du lac. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais ce qu'il y a derrière moi, je le sais. Où est-ce qu'il est, cette enflure? Ça marche pas là. C'est malin, il ne suit pas dans l'eau. Où est-ce qu'il est? Merde. Où est-ce qu'il est, l'enfant? Ah, j'ai... Merde, je l'ai perdu.
Je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est, cet enfant? Il est là. Ah, tu ne me rappes pas comme ça. Bon, je prends un max de radiation quand même. Merde, qu'est-ce qui est passé? Eh merde. Bon, décidément. Cette zone est interdite. Circulez. D'accord. Ben, je vais circuler, mais... Allez, enfoiré. Vous êtes sur une propriété privée. Ouais, ben, je m'en vais. L'ouest. Donc, a priori, si je passe par là, il y a le lac. Voilà, bon ben a priori il est mort. Eux ils veulent pas que je... Ça me dit pas ce que c'est ici. Ah mais c'est l'asile à tous les coups. Merde, j'arrive pas à monter. Je vais quand même voir. Je suis où là? Ouais, c'est ça, c'est l'asile. Bon, on s'en fout, on va. Ça aurait été bien qu'il me livre le... Donc, le nord est par là. Qu'il me livre le... Ouais, c'est ça. Allez, on file par là. Parce qu'on est quand même à 42 minutes, faudra certainement faire des coupures. Coucou, bonhomme. Non, mais je fais que passer. Vous êtes sur une propriété privée. Bah, ça va. Je vous conseille de ficher le corps. Ta gueule. Je reviendrai, je vous buterai tous de toute façon, donc... Enfin, je pense. Allez. Non, il faut aller loin pour trouver l'œuf. Hein. Sympathique ici, tiens. Linwoods. D'accord. 82 mètres. On arrive droit quelque part. 60 mètres. Allez. Merde, c'est par là. 40 mètres. Alors. Ouh. 19 mètres. Onze mètres. 7 hey, bonhomme. Je me paye le luxe de cueillir des champignons sous le nez d'un écorcheur. Remettre l'œuf. Terminer la part du diable, ça me ramène quand même 472. Alors là, franchement, on voit pas ça tous les jours.
Et là. On va regarder un petit peu ce que c'est que cette arme-là. Le gantelet d'écorcheur. On va faire X. Me cours. Non, c'était pas ça. Voilà. Alors, dégâts 40 quand même. Vitesse moyenne, poids 10. Cool. Ben voilà. Du coup, on a ramené le... On a été visiter le musée de la sorcellerie. Trouver un œuf d'écorcheur. Et ramener l'œuf à son nid. Ce qui nous a permis de ramener une arme. Plus que sympathique. Et ben voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous !